Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japap et du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur mieux et dur, très dur, hein, la famille. Ah ouais, ouais, ouais. Vous savez, avec le récent succès d'Arsène Méré sur la scène du casino de Paris, ce qui a. Ça n'est pas passé inaperçu, hein. D'ailleurs, il y a les détracteurs, ceux qui ont apprécié, ceux qui disent que wow, il n'a pas une belle voix, ceux qui cherchent des excuses. Bon, il y a eu les petites polémiques, il n'a pas fait passer Jix, chose qu'il était d'accord avec, pour un peu prendre Arsène, on tape un peu ses fesses là, que viens ici, c'est quoi non? Comment tu ne veux pas passer la Japiano, hein? Un truc qui est typiquement béninois, hein? Et c'est le morceau qui a le plus buzzé ces derniers temps-ci. Mais il dit quoi? Mais il y a des choses positives qui sont arrivées là-bas. Sur ça, hein. Sur le concert, là. Oui. Notamment, il s'est fait remarquer par Sony Music. Sony Music a signé Arsène. Ouais. Vous allez beau dire qu'il n'a pas une belle voix, là, ceci. Mais il s'est fait remarquer. Et voilà, même servi d'exemple à Loco. Un autre Loco, finalement, il va organiser au casino. Enfin, en septembre, il a programmé sa part. Il dit non, le petit frère, il ne peut pas nous mettre la honte au corps. Non, petit frère, il nous manque le respect. Il va organiser sa part. Donc, on voit un peu, non. Donc, le contrat avec Sony Music, ce que j'ai lu là-bas sur la page que Sony Music a posté, c'est que Sony Music Afrique a posté, c'est que va sortir un EP. Et selon mon entendement, un EP, c'est un truc qui est de 6 titres en descendant. L'album, c'est à partir de 7 titres. Mais Arsène nous avait dit qu'il prépare l'album. Et c'est l'album, il l'a sorti 14 titres. Donc, ça veut dire que si Sony annonce que c'est un EP, ça veut dire que Sony a peut-être choisi 6 morceaux, ou bien moins de 6 morceaux dans le truc pour sortir. Ils vont streamer ça dans toutes les plateformes là, que vous connaissez un peu là, non? Spotify, Boomplay, toutes ces histoires-là. Hein? Apple Music, oui. Donc, oui. Voilà, celui qui n'a pas la belle voix, qui a la laide voix. Voilà que Sony a apprécié sa voix. Oh. Sony aime la voix d'Arsène. Oh. Vous comprenez un peu? Comme les sorciers, comme Reine des Sabas sont sortis et dit que son concert, non seulement il n'a pas une belle voix, mais son concert, c'est 60%, c'est la donatrice qui a acheté les billets aux gens. Ah, toi aussi, et c'est que toi-même, ah, si la donatrice avait aussi te donné l'argent, là, ça, toi-même, tu devais prendre. Tu devais prendre et fermer la bouche, donc. Faut cesser ta petite jalousie là. En tout cas, quand on est né sorcière, on va seulement mourir sorcière. C'est comme ça. Il n'y a rien à changer là. On ne peut rien. On ne peut pas. Elle est irrécupérable, cette femme, vous comprenez un peu. Donc, il n'a pas une jolie voix. Voilà sa copine sorcière aussi, Raina Bance. Je vais bientôt aller sur sa page, voir si elle a posté sur Arsène. Je sais qu'elle ne peut pas s'en passer. Elle n'a pas posté du succès, mais c'est qu'elle va aller chercher les petits défauts, comme il y a eu les petits trucs. Petit problème, elle va maintenant venir poster. Vous comprenez un peu. C'est comme ça que les sorciers agissent. Bon, j'ai tombé sur la vidéo d'une là. Et c'est Emilia Farfala. Elle aussi, elle est sortie et dit que Arsène, dans sa voix, dans le truc, dans, au studio, en studio, c'est bien, mais en live, c'est pas bien. Oh, c'est monté. Que Arsène, comme les Davido, les Fadiko et tout ça, que leur voix dans le studio, ça sonne bien, mais en live, ça ne sonne pas. J'ai dit que, mais tu ne dois pas dire que la voix n'est pas bonne. Dis peut-être, exprime ton opinion, que ça ne te plaît pas toi, par exemple. Ça ne te plaît pas à toi. En tout cas, regardez d'abord la vidéo, regardez. Comment s'est passé le concert? C'était hyper bien, j'ai bien dansé, je me suis bien amusée, c'était au top. Ah ouais, passez mes salles à Arsène Méré. Arsène Méré, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce concert. Je venais dans l'espoir de m'amuser, de danser et c'était le cas. Merci. Donc celle qui l'a rendu fier le Bénin. Fierté. Nous sommes fiers bien, de c'est toi. Bien, c'est bien, c'est bien. Fierté nationale. C'est ça. D'accord, super. Tu es béninoise? Oui, béninoise. Ah, ah ouais, ouais, 100%. 100%. Ah, c'est bien ça. Moi aussi, je suis béninoise. Oui, de Marie. Oui. Ah, ok, merci. Salut, ça va? Ça va et vous? Ça va, tu t'appelles comment? Mariette. Tu es de quelle origine? Je suis béninoise. Tu penses quoi du concert de Arsène Méré? Vraiment, c'est un concert fantastique, je dirais. Parce que vraiment, l'envie pour la suite pour laquelle j'étais là, vraiment, ouais. J'ai rentabilisé mon argent. J'ai rentabilisé mon argent. Tu as mis combien dedans? Tu as mis combien dedans? Non, tu étais là, c'est 39 euros. Non. Hein? Et voilà. On est venu dans le popcorn. Popcorn? Attends, aussi comme 4 euros. On a vu l'odeur.
président. Tout ça, ça s'est bien passé. Mais ça, là, même là, c'est rien. Je sais pourquoi il était là, il a vu ça. D'accord, c'est bien alors. Donc, passez-moi à Arsène Méry. Vraiment, Arsène Méry, merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'as accordée. Vraiment, je ne m'imaginais pas voir quelqu'un jusqu'à ce qu'il m'embrasse aujourd'hui. Et vraiment, c'est grâce à Arsène Méry. Vraiment, merci beaucoup. Super, merci. Bisous. Comment tu as senti cette énergie dedans lors du concert de Arsène Méry? C'était chaud, papa. C'était chaud. Oh, tu aimé. Non. Joanda, tu as dansé. T'es dansé. Tu as zouké. T'as sauté. En l'air. En l'air. Tu as fait coup du bateau. Tu as fait film ou chicote. Toi aussi. D'accord. Bon, dis-nous comment ça s'est passé. Ah, c'est trop bien passé. Hein. Moi, j'ai aimé. Surtout la partie zouk, la compa. La... T'as montre, géré. Montre-moi. Non, d'accord, passe un message à Arsène Méry qui te. Je t'aime. Qui aime Arsène Méry? Mais arrête de former les 300 abonnés, je n'accepte pas. Toi et moi, on va se battre un jour. Mais je t'aime quand même.